devant cet enfant, devant tous ces titres de journaux qui s'étalent. Maman, pourquoi tout ça? Pourquoi tout ça? Oui, insiste-t-il, pourquoi la guerre existe-t-elle? Hésitante, la maman répond, c'est parce que certains hommes ont besoin de s'emparer de ce que les autres possèdent, ou de détruire ce qu'ils ne comprennent pas. Mais tout ça n'a pas de sens, dit l'enfant indigné. Non, ça n'a pas de sens, c'est vrai. L'enfant voudrait une vraie réponse. Mais est-il possible que ça finisse un jour? Oui, sûrement, dit la mère, après avoir réfléchi un instant. La paix peut être plus forte que la guerre, à condition que notre cœur change aussi. Oui. Écoute, pour que tu comprennes mieux, je vais te raconter une histoire. Il y eut une fois un royaume qui vivait dans la paix et le bonheur. Il était sous le règne de Cirella, qui était une sirène au milieu d'un peuple de créatures joyeuses, heureuses. Et il y avait un autre monde juste à côté de celui-là, un monde d'hommes qui était celui de la violence, l'égoïsme, l'indifférence.